Zou est le maillot porte-bonheur. Bien joué, voilà. Désolé, Poc. Formidable, l'échauffement est terminé, les super zèbres. Vous avez un match important demain. Oui, on le sait bien. Oui, et les extra zèbres sont impressionnants. Mais ce ne sont pas les seuls. Dis, tu crois qu'on peut les battre, Zoé? J'en suis sûr, mais entraînez-vous autant que vous le pouvez aujourd'hui. Et n'oubliez pas que le gymnase sera fermé demain, alors utilisez au maximum le temps qu'il vous reste. Ouais! Ah, je vois, apparemment, vous avez envie de jouer. Alors allez-y! Par ici, Zach! Tiens, Zé! Je l'ai! Ah, bien joué, Zou. Continue, passe la balle, Zach. Ouais, Zou, ouais. 2-0. Oh. Fais d'aussi beaux tirs que ça demain, Zou, et vous gagnerez le 4 contre 4. Ouais. Allez, les super zèbres. C'est fini! Très bon match, les enfants, bien joué! Surtout, n'ayez pas peur de leur montrer ce dont vous êtes capables. Et bonne chance pour demain! J'ai mon maillot numéro 7 pour me porter chance! C'est bien! Filez-vous changer, je vais devoir fermer. Allez! Ah! Oh, j'étais un attaquant redoutable, moi aussi, dans le temps. Regardez, papy est sur le point de réussir un but magistral. Ouais. C'est un vrai héros. Bravo. Bravo, papy. Je ne suis plus aussi en forme qu'avant. Va falloir libérer le terrain. C'est qu'il est temps d'y aller, les enfants. On ferait mieux de rentrer. Allez, venez. Oh, oh non. Mais qu'est-ce qui se passe, Elze? J'ai laissé mes affaires de foot au gymnase. Oh, moi aussi, je les ai laissées. Vous aussi, alors? On les a oubliés sur les gradins, on est parti trop vite. Ah, dépêchons, rattrapons Zoé avant qu'il ne ferme le gymnase. Trop tard, Zoé a fermé pour la nuit. Non! Comment on va faire sans nos maillots? On viendra récupérer nos affaires demain matin dès que le gymnase ouvrira. Non, on ne pourra pas, Elze. Tu ne te souviens pas de ce qu'a dit Zoé? Il sera fermé toute la matinée. On viendra les prendre plus tard, alors. Mais il nous les faut pour le match. Oh, et pour jouer, j'ai besoin de mon maillot. Mon maillot numéro 7 porte bonheur. Il me porte toujours chance. Il doit bien y avoir un moyen d'entrer, papy. Peut-être que la porte sur le côté est restée ouverte. Non, Zou, j'ai bien peur que le gymnase soit bel et bien fermé. Oh, papy, pour bien jouer demain, j'ai vraiment besoin de mon maillot porte-bonheur. Ne t'en fais pas, Zou, tu créeras ta propre chance. Tu sais, c'est pas simplement grâce au maillot que tu portes que tu marques des buts. Et on a tous le même problème, Zou. On va tous devoir trouver un autre maillot à porter pour le match. Oui, vous avez raison, mais ce sera pas la même chose. Celui-là tirait, non? Maman! Mais
pourtant tu adorais ce t-shirt avant. Je ne peux pas le mettre pour jouer au foot. Je veux bien te prêter mon vieux maillot si tu veux, mon chéri. Non, désolé. Mauvaise couleur et mauvais numéro. Oui, mais ce serait mieux que rien. Il faut bien que tu portes quelque chose, alors décide-toi. Il va sûrement falloir reprendre un peu les manches. Et rapiécer l'ourlet, j'en ai bien peur. Mais à part ça, il est parfait. Souris un peu, Zou, on essaie simplement de t'aider. Je suis désolée. C'est pas de votre faute si j'ai laissé mon maillot au gymnase. Et voilà, comme neuf. J'espère que la pièce rouge ne te dérange pas trop, Zou. C'est tout ce que j'ai réussi à trouver hier soir. Tu sais, mamie a veillé tard pour accommoder ton maillot, Zou. Merci, mamie. Mais il n'y a pas de quoi. J'espère qu'il te portera chance. On ferait mieux d'y aller. Ce serait dommage d'être en retard. Bonjour, Madame Jolie. Bonjour, Zou. Bien, bonjour. On devrait peut-être se rebaptiser les super zèbres habillés bizarrement. Vous ne croyez pas? J'espère que je vais pas trébucher. Ce maillot est vraiment bien trop grand. Oui, mais toi au moins tu ne ressembles pas à une fée géante, Zinnia. Tu crois que les extra zèbres vont remarquer mon drôle de maillot, Zou? Ils ne pourront pas le rater. Allez les enfants, souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Ce n'est pas le maillot qui importe, c'est la façon dont vous jouez. On compte sur vous, les super zèbres. Numéro 7 porte-bonheur. Moi aussi, je pensais comme toi, fiston. Mais dans la vie, on crée notre propre chance. Au fond, tu sais que tu peux y arriver, Zou. Que tu aies ton maillot porte-bonheur ou non. 1, 2, 3, 4, allez, vous allez les battre. Vous avez entendu? On y va. Score final 3-1 pour les super zèbres. Papa, c'est toi qui m'as porté chance. Inutile de compter sur la chance quand on a du talent. Merci. Bon match, les super zèbres. Bravo à vous. Bien joué, les extra zèbres. Alors, les enfants, je vous écoute. Comment ça s'est passé? On a gagné! Félicitations. Et vous étiez habillés comme ça? On avait oublié nos affaires sur les gradins du gymnase. On est revenu, mais t'avais déjà tout fermé à clé. On a dû trouver d'autres maillots. Apparemment, ça n'a pas nuit à votre jeu. Je croyais qu'il fallait absolument que je porte mon maillot porte-bonheur pour bien jouer. Mais j'ai joué encore mieux en portant le vieux maillot de papa. Bravo, Zou! Tu as réussi à avoir confiance en tes capacités. Inutile de compter sur la chance quand on a du talent. Les super zèbres ont du talent. Oui, 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 oui.